vous n'atteindrez probablement pas l'éveil en croyant à l'éveil. Car l'éveil n'est pas un nouveau conte de fées que vous allez vous raconter avant de vous endormir pour avoir des rêves de meilleure qualité. Ce n'est pas non plus une pommade que vous allez pouvoir vous passer pour masquer les difficultés et les blessures auxquelles vous ne pourrez échapper en tant qu'être humain. Ce n'est pas une religion, un dogme universel, une théorie du tout. Ce n'est pas une croyance. L'éveil, c'est tout le contraire. C'est la plupart du temps le résultat d'un entraînement humble à l'exploration systématique, éminemment concrète, pratique, intime et subjective de la nature et du fonctionnement de votre expérience consciente. Et ce, à chaque instant, et sans la médiation de vos pensées toutes faites. Dans le même ordre d'idées, il est également très peu probable qu'un éveil authentique résulte d'une simple compréhension intellectuelle de la façon dont fonctionne notre esprit ou le monde, car en réalité,